What in the world am I gonna do? Alors c'est l'histoire d'un gars qui va manger dans une brasserie et puis le patron, après le service, passe voir ses clients, puis il arrive devant le gars et lui dit alors, comment avez-vous trouvé le steak? Et là l'autre le regarde et lui dit, bah par hasard, sous une frite. Voilà, pour la blague d'aujourd'hui, pour vous permettre de mieux vous concentrer. Sur cet exercice sur les inégalités de Lodler et Minkowski, alors c'est probablement l'exercice le plus célèbre hein, sur un cours comme celui-ci, un cours d'analyse convexe. En dépit de sa célébrité, elle mérite quand même une vidéo parce que c'est d'une importance, les conséquences de l'inégalité, notamment de Minkowski, en topologie sont absolument capitales, donc ça mérite bien d'être figé sur une vidéo. Voilà, alors on va attaquer tout de suite et on va considérer donc deux réels P et Q. Hein, on se donne P et Q strictement positifs et on suppose que la somme de leurs inverses vaut 1. Et là, bah, immédiatement, vous voyez que ça vous dit qu'il y a quelque chose qui va avoir un lien avec la convexité, puisqu'ici, ça dit juste que 1 sur P et 1 sur Q forment un système de poids. Alors, on se donne deux réels strictement positifs, U et V, et on vous demande de montrer que le produit UV est plus petit que 1 sur P, U puissance P, plus 1 sur Q, U puissance Q. Alors en fait, ça, c'est très exactement une inégalité de convexité parce que ça équivaut en fait, alors je peux utiliser, hein, vu que U et V sont strictement positifs, je peux utiliser le logarithme qui est une fonction croissante. Et donc ça me fait log de U plus log de V qui doit être inférieur à log de 1 sur P, U puissance P, plus 1 sur Q, V puissance Q. Et donc vous voyez que ça vous incite à considérer l'inégalité de concavité, puisque log est concave, pour les réels U puissance P et V puissance Q, et pour le système de poids 1 sur P, 1 sur Q. Et donc ça, bah, il suffit de remarquer assez intelligemment que si vous considérez log de U puissance P, eh bien, ça vous fait P log de U, donc pour retrouver log de U, il suffit de mettre 1 sur P ici, et puis vous faites la même chose avec 1 sur Q. Et donc, mon équation est équivalente à celle-là. Et donc, le point, c'est que le logarithme, qui est une dérivée seconde égale à moins 1 sur x2, est concave. Donc ça, c'est l'inégalité de concavité. Donc ça, c'est l'inégalité qui découle, très très célèbre, hein, qui découle de l'étude de la fonction log. Alors, on demande d'en déduire immédiatement. Hein, on se donne A1N strictement positif, B1BN strictement positif, donc N, c'est un entier plus grand que 1. Oui. On vous demande de montrer que la somme des produits est pour i égale 1 à n est majorée par le produit suivant. Donc ça, c'est la somme de i égale 1. Je vais y arriver, à n égale 1 à n. Bien. Ça, on va dire que c'est alpha, et ça, on va dire que c'est bêta. Alors, c'est strictement positif. Pourquoi à chaque fois? Mais parce que vous avez supposé que
Vous avez supposé que tous les AIBI sont strictement positifs. Bien, eh ben on va appliquer l'inégalité de concavité qu'on a trouvée au petit a en posant U égale AI sur alpha et V égale BI sur bêta. Oui, ben si vous l'appliquez, vous voyez que AI BI sur alpha bêta va être inférieur à 1 sur P. 1 sur P AI puissance P sur alpha P plus 1 sur Q BI puissance Q sur bêta puissance Q. Bon, et bien tout ça est vrai quel que soit I variant de 1N. Donc, bien, comme j'ai que des inégalités, je peux sommer et j'obtiens donc que cette somme-là est majorée par la somme de ces sommes. I égale 1 à n. Mais alpha n'est pas indicé, ça je peux le factoriser. Ben, vous voyez que la somme des i puissance p sur alpha puissance p, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est 1 sur alpha puissance p, somme des i puissance p. Mais alpha puissance p, eh bien, c'est exactement cette somme-là. Donc ça, ça vaut 1. Ben, même chose pour cette somme-là. Elle vaut effectivement 1. De sorte que, eh bien, ça c'est 1, ça c'est 1. Ben, vous voyez que puisque 1 sur P plus 1 sur Q vaut 1, vous voyez que cette somme-là est majorée par 1. Bien, il vous suffit juste de multiplier par alpha bêta, puisque alpha bêta ne dépend pas, n'est pas indice séparé, donc je peux le factoriser. Et vous voyez que la somme de I égale 1 à N de AIBI est bien majorée par alpha bêta, ce qui est exactement l'inégalité demandée, mes amis. Voilà. Donc voilà pour Holder. Bon, je fais un petit commentaire. Hein. Ça, c'est typiquement le truc. Il n'y a aucun mérite à refaire cet exercice quand vous avez vu l'astuce. Quand il s'agit de considérer alpha bêta et de prendre ça, le seul coup de chapeau, c'est celui qui a eu l'idée. Voilà, il y a des centaines d'années. Donc c'est typiquement le genre, ça va être la même chose pour la suite, hein, c'est typiquement le genre d'exercice qu'il faut avoir vu une fois dans sa vie, avoir compris et avoir compris que avec une petite astuce, bien tout ça se ramène à une égalité de convexité. Bien, alors on passe à la question suivante qui vise à démontrer l'inégalité de Minkowski. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une inégalité absolument fondamentale. Je suis toujours dans les hypothèses de la question précédente, donc A1N, B1, BN, c'est des réels strictement positifs. Et on veut déduire, en fait, hein, de cette inégalité, on veut déduire celle-là. Vous voyez qu'elle ne se ressemble pas tellement. Hein. Ici, c'est une inégalité qui fait apparaître un produit à droite, un produit à gauche, et ici, c'est une inégalité qui fait apparaître des sommes à droite et à gauche. On pourrait se dire, bah tiens, qu'est-ce qui transforme un produit en somme? C'est le logarithme. Oui, ça pourrait être une idée, mais comment manipuler le logarithme d'une somme de produits? C'est un peu compliqué. Donc, il va falloir trouver une autre astuce. L'autre astuce, bah, elle n'est pas très compliquée. On va considérer P strictement supérieur à 1, et on pose Q tel que 1 sur P plus 1 sur Q soit égal à 1. C'est-à-dire, si vous faites le petit calcul, ça veut dire que 1 sur Q, c'est 1 moins 1 sur P, c'est-à-dire P moins 1 sur P. Si j'inverse, ça veut dire que Q égale à P sur P moins 1. Voilà. Et ça, bah, vous constatez que c'est quelque chose qui est certainement strictement supérieur à 1. Parce que P est strictement supérieur à 1, et que P est plus grand que P moins 1. D'accord ? Bien, et là, bah, je veux exploiter mon inégalité de Holder.
ou Holder en anglais. Et l'astuce, ben, c'est juste, vous voyez, ça c'est pour l'avoir retenu une fois dans sa vie, à nouveau, c'est d'écrire que ça, bien, c'est I plus BI à la puissance P moins 1 fois I plus BI puissance P moins 1 fois BI. C'est pas... bon, ça n'a rien de très violent. Et du coup, eh bien, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ben, je peux, moi, ce qui m'intéresse, c'est la somme de ces quantités-là. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ben, j'ai envie d'utiliser l'inégalité de Holder pour ces produits-là, en fait. Voilà. Et donc, ben, je vois que la somme des AI plus BI à la puissance P, qui est donc cette somme-là, et... oui, c'est ça. Donc je vais mettre le i ici. I plus b puissance p moins 1 plus la somme. Là, je vais mettre le b ici. Eh bien, si j'utilise Holder ici, alors je vais utiliser Holder en gardant AI pour AI et je vais changer BI en AI plus BI à la puissance P moins 1. Mais que me dit Holder? Il me dit que la somme des AI puissance P à la puissance 1 sur P, que cette somme-là est inférieure à ça fois, alors, les i plus b puissance p moins 1 fois q, donc q p moins 1, à la puissance 1 sur q. J'ai fixé q pour pouvoir appliquer Holder, hein, c'est cette condition qui me permet de conclure. Plus, eh bien, je fais la même chose avec l'autre somme, donc j'ai bi puissance p à la puissance 1 sur P et puis bah, j'ai exactement la même somme ici, le même produit. Bien, seulement que vaut Q fois P moins 1? Bien, Q fois P moins 1 c'est P, et donc vous voyez que ça, bien, c'est exactement la somme de i plus bi à la puissance p puissance 1 sur q facteur de la somme qui m'intéresse. Voilà, mais vous voyez que maintenant, ce qui est à gauche ici et ce qui est là se ressemblent fortement, c'est juste une autre puissance. Et donc vous voyez que si je passe ça de l'autre côté, eh bien j'obtiens somme des i plus bi à la puissance p, le tout à la puissance 1 moins 1 sur q, qui va être inférieur à cette somme-là. Ben, il suffit pour conclure de remarquer que 1 moins 1 sur P sur Q, c'est 1 sur P. Et vous obtenez l'inégalité de Minkowski, qui est très importante, mais vous voyez, à nouveau, à démontrer, une fois que vous avez l'astuce, c'est-à-dire l'astuce, c'est ce passage-là. Il suffit d'écrire P moins 1 facteur de AI plus BI et d'utiliser Minkowski. Si vous ne l'avez jamais vu, il y a peu de chances que vous le trouviez simplement. Si vous l'avez déjà vu, ben, il n'y a plus qu'à dérouler. C'est très simple. Bien, alors, les conséquences topologiques de cette inégalité. Eh bien, je vais fixer un entier N. Alors, ici, il y avait une petite faute d'énoncé. Voilà, je vais repérer ça et corriger sur mon fichier informatique. Bravo.
On fixe N et on travaille sur RN. Et on va faire de la topologie. Et pour un uplet de réel, donc génériquement je le note X, qui est de coordonnées X1, Xn, je fixe alpha et je pose la norme de alpha de X comme étant la somme des valeurs absolues de Xi puissance alpha à la puissance 1 sur alpha. Alors la conséquence de Minkowski, c'est que le résultat, c'est que n de alpha est une norme sur Rn. C'est-à-dire qu'elle satisfait les trois propriétés suivantes. Elle est à valeur dans R+, enfin les quatre propriétés, plus exactement si je pose celle-là. J'ai que la norme vaut 0 si et seulement si, eh bien, le vecteur x est le vecteur nul. Ensuite, eh bien, je veux que quel que soit lambda réel, je veux que la norme de lambda x soit la valeur absolue de lambda fois la norme de x. Et enfin, je veux que la norme d'une somme soit plus petite que la somme des normes. C'est ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire. Alors, comme vous avez déjà fait un peu de topologie, vous savez que généralement, dans les quatre axiomes, trois axiomes si vous retirez celui-là, qui définissent une norme, les premiers sont très simples. La difficulté réelle, c'est toujours l'inégalité triangulaire. Bien, alors, on va juste... alors, le fait que je le fais par oral pour les trois premiers, le fait que vous êtes bien à valeur dans R+, ben ça c'est évident, puisque vous prenez la valeur absolue des xi. Donc, vous êtes bien un réel positif. Alors ensuite, ben, si vous prenez le vecteur nul, vous ne semez que des zéros. Donc cette implication dans ce sens-là est évidente. Et l'implication réciproque, elle est aussi évidente parce que ça, c'est une somme de réels positifs. Donc si elle est nulle, ça veut dire que chaque réel est positif. Donc valeur absolue de xi puissance alpha est nulle, c'est-à-dire xi est nul. Ensuite, la linéarité, eh bien, si vous prenez la norme alpha de lambda x, vous voyez que vous avez valeur absolue de lambda xi puissance alpha. Si vous factorisez, vous avez valeur absolue de lambda à la puissance alpha. Comme ça ne dépend plus de i, vous pouvez le factoriser et vous avez le 1 sur alpha qui vous tue l'égalité. Donc le vrai problème, c'est celui-là. Mais ça, si vous regardez bien, c'est très exactement l'inégalité de Minkowski. Si vous mettez, remplacez xi, yi, vous voyez que c'est très exactement... Alors, peut-être mettre un alpha ici. C'est très exactement cette inégalité pour le choix de ai égale valeur absolue de xi et bi égale valeur absolue de yi, et donc alpha égale p. Il y a quand même un point... où là vous pourriez contester, c'est qu'on l'a démontré si il s'agit de réels strictement positifs. Que se passe-t-il si j'ai des réels nuls? Parce que dans Rn, ben, vous avez beaucoup de vecteurs qui peuvent avoir des coordonnées, certaines de coordonnées nulles. Ben, je vous laisse rédiger, parce que c'est quand même pas super violent à faire, mais montrer que l'inégalité de Minkowski, elle reste vraie si je prends A1NB1BN des réels juste positifs. Alors pourquoi on les a pris strictement positifs ici? Parce qu'on veut utiliser Holder, et pour Holder, on a supposé qu'ils étaient strictement positifs. Donc l'idée, c'est d'essayer de voir pourquoi Holder reste vrai. Si je remplace strictement positif par positif, bien je vous mets juste une petite indication. C'est dans les deux cas, c'est que si vous avez un réel qui est nul, eh bien la partie de la somme ici va valoir 0, et donc il suffit de faire une petite récurrence sur n. Et donc la même chose, petite récurrence sur n. Ok, donc la difficulté pour n alpha, c'est évidemment l'inégalité triangulaire, et ça c'est précisément Minkowski. Alors on passe à la question petit d, et qui en fait est toujours dans la... On file toujours l'intérêt de Minkowski dans le cas
dans le cas de la topologie, dans le cas de l'étude des espaces métriques, des espaces vectoriels normés, en fait, on veut démontrer, donc, n est fixé, et puis je me suis donné bêta plus grand que alpha plus grand que 1. Oui. Et en fait, j'essaye de montrer que n puissance bêta moins alpha sur alpha bêta, norme de bêta de x est supérieure à norme de alpha de x qui est supérieure. Alors je vais écrire une fois n bêta de x, donc ça c'est quel que soit x appartient à Rn. Bien, alors ça, pourquoi c'est capital en topologie? Ben parce que ça dit que les normes n alpha et n bêta, elles sont équivalentes. C'est-à-dire que vous pouvez coincer l'une entre deux constantes fois l'autre. Et ça aussi, c'est absolument capital parce que ça induit, une petite digression topologique, ça induit le fait que les topologies définies par ces normes sont les mêmes. Bon, et si vous allez suffisamment loin, eh bien en fait, on a un théorème encore plus général qui dit que sur Rn, toutes les normes sont équivalentes. Mais l'intérêt de cet exercice, c'est que c'est bien beau de savoir que deux normes sont équivalentes, mais trouver les constantes, ou trouver des constantes, c'est pas forcément une chose facile. Et donc là, on va voir à nouveau qu'on utilise de l'analyse convexe pour montrer notamment cette première inégalité. Alors allons-y. C'est d'ailleurs ce qui vous est suggéré. Pour la première inégalité, on pourra utiliser la convexité des fonctions puissance. Alors on va rappeler la convexité des fonctions puissance. Donc je m'intéresse à U donne U puissance lambda. Je vais prendre lambda dans 0, même 0 ouvert. On peut le prolonger par continuité en 0. Et donc je me pose la question de savoir quand est-ce que ça c'est convexe. Bien sûr, 0 plus l'infini, vous voyez que si je dérive deux fois, ça va me donner lambda moins 1 à la puissance lambda moins 2, ça va toujours être positif, ça c'est positif, il faut remarquer que je peux même m'intéresser au cas, oui, puisque j'ai retiré 0, je peux prendre lambda réel. Et donc je vois que c'est convexe, hein, si et seulement si, lambda moins 1 est positif. Oui. Donc si lambda est positif, bien vous voyez que c'est convexe seulement quand lambda est plus grand que 1. Bon, mais nous c'est notre cas, c'est-à-dire que alpha et bêta sont plus grands que 1, donc ce qui est vrai c'est que ça c'est convexe. Bien. Alors si je sais que ça c'est convexe, bien, qu'est-ce que je vais regarder? Oui. Alors, je vais regarder l'inégalité telle qu'elle m'est donnée. Parce que je suis en train de me rendre compte pourquoi j'hésite un peu, hein, vous avez le droit, c'est parce qu'en fait, on étudie à la fois de la puissance alpha et à la fois de la puissance 1 sur alpha. Et 1 sur alpha étant plus petit que 1, là ça va devenir concave. Donc il faut faire un tout petit peu attention dans ce qu'on va écrire dans la suite. Alors, on va étudier la première inégalité, regarder à quoi elle équivaut, et essayer de voir que c'est effectivement une inégalité de convexité ou de concavité, suivant la puissance qu'on va prendre. Et très bien, donc il s'agit de montrer que, alors, x1 puissance alpha plus xn puissance alpha à la puissance 1 sur alpha est plus petit que n puissance bêta moins alpha sur alpha bêta, bien ça je préfère l'écrire 1 sur alpha moins 1 sur bêta. Et puis j'ai x puissance x1 puissance
bêta plus xn puissance bêta à la puissance 1 sur bêta. Oui. Ok. Une fois que j'ai ça, bien en fait, je vais trafiquer un tout petit peu ces choses-là. Je vais poser UI, juste pour que ça soit un poil plus joli. Je vais poser UI qui va être égal à XI en valeur absolue, pardon, à la puissance. Quelle est la bonne puissance? Eh bien, la bonne puissance, ça va être 1 sur bêta. Ou bêta. Oui, 1 sur bêta. Non, bêta. Je vais y arriver. Et de sorte que... de sorte que quoi? Eh bien, de sorte que... Oui, c'est pas mal d'avoir écrit ça. De sorte que cette inéquation, bien, elle équivaut à... Alors, que devient x1 puissance alpha? Eh bien, x1 puissance alpha, ça devient U1, à la puissance alpha sur bêta. Plus, etc., jusqu'à UN à la puissance alpha sur bêta. Le tout à la puissance, alors je vais faire une petite, encore une petite astuce, je vais élever toute cette inégalité à la puissance bêta, non, à la puissance alpha, de sorte qu'ici, ben, je perds ma puissance. Là, j'utilise juste le fait que U donne U puissance alpha, c'est une fonction croissante, hein, donc j'ai le droit de le faire. Donc j'élève à la puissance alpha, bah, il me reste que ça. Ici, je vais avoir N1 sur alpha moins sur bêta à la puissance alpha, c'est-à-dire N puissance 1 moins alpha sur bêta. Et ici, je vais avoir, alors qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Bah, c'est exactement U1 jusqu'à UN à la puissance alpha sur bêta. Oui. Bien, je vais passer, vous voyez, j'ai un 1 moins 1 sur alpha sur bêta, donc je vais passer le n puissance 1 de l'autre côté. Et donc ça, ça devient 1 sur n, U1 puissance alpha sur bêta, plus, etc., UN à la puissance alpha sur bêta, qui va donc être plus petit, et là j'ai 1 sur n puissance alpha sur bêta, donc je peux le mettre à l'intérieur, 1 sur n, facteur de U1 plus UN, à la puissance alpha sur bêta. Ben là c'est merveilleux, parce que vous voyez apparaître l'inégalité de Jensen, Jensen en anglais, et Jensen en allemand, voilà. Et c'est l'inégalité de Jensen pour la fonction qui a U associé U puissance alpha sur bêta. Mais alpha est inférieur à bêta, donc ça, ça implique que alpha sur bêta est plus petit que 1. Et donc à cause du petit calcul qu'on a fait ici, ça implique que cette fonction est concave. Bien là, vous avez l'image des 1 sur n, U1, UN, par cette fonction, qui est supérieure à 1 sur n, la somme des images, et ce qui est effectivement l'inégalité de concavité. Donc, cette première inégalité, elle découle de la concavité de cette fonction. Alors ensuite, bien, on essaye maintenant de montrer que n alpha de x est supérieur à n bêta de x. Bien, on vous suggère de fonctionner par récurrence. En fait, on peut formuler ça par récurrence, mais on peut s'en tirer... enfin, c'est juste un formalisme, parce qu'on n'utilisera pas l'hypothèse de récurrence. En fait, ici, c'est juste l'étude des fonctions puissance, la monotonie des fonctions puissance.
Alors, il s'agit de montrer que x1 puissance alpha plus, alors je vais aller jusqu'à n plus 1 pour que ça soit joli, je vais me placer en n plus 1, 1 sur alpha, est supérieur à x1 puissance bêta plus xn plus 1 puissance bêta. Puissance 1 sur bêta et pas 1 sur alpha. Ok, alors le premier point, c'est que si x1 égale, etc., xn plus 1 égale 0, bah c'est évidemment vrai, c'est 0 supérieur à 0. Donc je peux supposer qu'au moins un des termes soit non nul. Et puisque j'ai une somme, eh bien je peux les permuter et je peux considérer que la valeur absolue de xn plus 1, c'est-à-dire le dernier terme, eh bien c'est le max de xi. Vous voyez ? S'il apparaît avant, eh bien je change l'indexation. Et je prends le maximum. Et l'astuce, c'est que si je divise toute la somme par ça, eh bien je vais avoir cette valeur absolue puissance alpha à la puissance 1 sur alpha, ça me fera une valeur absolue de xn plus 1, même chose de l'autre côté. Et évidemment, comme j'ai supposé que je ne suis pas face au vecteur nul, c'est strictement positif, ça peut donc se simplifier. Donc cette inéquation, elle équivaut à quoi? Eh bien, elle équivaut à dire que 1 plus u1 puissance alpha plus un puissance alpha à la puissance 1 sur alpha est supérieur à 1 plus U1 puissance bêta plus UN puissance bêta à la puissance 1 sur bêta avec UI qui est valeur absolue de XI sur XN plus 1. Vous voyez, j'ai factorisé à chaque fois, ben je fais apparaître ça et ça, ça va être plus simple à utiliser. Alors, ce qui est intéressant, c'est que UI, puisque j'ai pris xn plus 1 le max, alors, il est certainement éventuellement nul, ça je veux bien, mais il est certainement plus petit que 1. Formidable. Alors, formidable pourquoi? Eh bien, parce que, vous voyez, j'ai UI qui est plus petit que 1, et j'ai alpha qui est plus petit que bêta, et bien j'ai ui puissance alpha qui est exponentielle de alpha log de ui, mais comme ui est plus petit que 1, bien log de ui est certainement négatif, la fonction exponentielle étant croissante, ça c'est négatif, et ça c'est plus petit que bêta, bah, vous voyez que ça va être supérieur à exponentielle de bêta log de ui, c'est-à-dire ui puissance bêta. Ok, donc, quel que soit i, j'ai ui puissance alpha qui est plus grand que ui puissance bêta. C'est-à-dire que ce qui se passe ici est plus grand que ce qui se passe là. Alors ensuite, eh bien, on va regarder la fonction en lambda, phi de lambda, on va fixer u. U est fixé, et je vais regarder cette fonction-là. Ça, c'est une fonction, alors elle vaut exponentielle de lambda log de 1 plus u. Oui, u étant positif. Hein. Vous voyez que sa dérivée première, c'est log de 1 plus u, donc u est supposé positif, éventuellement nul. C'est log de 1 plus u fois phi de lambda, ben, vous voyez que ça c'est positif, c'est-à-dire que phi est croissante. Oui. Alpha est plus petit que bêta, donc phi croissante. Alpha plus petit que bêta, ben, ça implique que 1 sur bêta est certainement plus petit que 1 sur alpha. Et donc, bien, si j'applique la monotonie de ça, j'ai 1 plus U1 puissance alpha jusqu'à UN puissance alpha à la puissance 1 sur alpha, qui est certainement plus grand par
croissance de phi que 1 plus U1 puissance alpha plus, etc., UN puissance alpha à la puissance 1 sur bêta. I. Mais maintenant, la fonction U donne U puissance 1 sur bêta, elle a pour dérivée 1 sur bêta fois U puissance 1 sur bêta, c'est-à-dire qu'elle est croissante. Et donc cette fonction étant croissante, et comme j'ai remarqué que les U de alpha i, les U de alpha étaient supérieurs aux U de bêta i, ben ça c'est certainement supérieur à U1 puissance bêta plus UN puissance bêta. J'ai pas de parenthèse là. Ben oui, mais c'est exactement une équation E. Et donc vous avez prouvé, in fine, vous avez prouvé quoi? Bravo, ben vous avez prouvé ce qui vous étiez demandé. Alors, où est-ce qu'est le sujet? Il a disparu. Voilà. Vous avez fini par montrer cet encadrement-là. Alors, dernière question, ça c'est de la culture générale, hein, c'est quelque chose qu'il faut connaître aussi. On va y arriver. Alors, ce qu'on a remarqué, c'est que si je prends x qui appartient à n fixé, et que je regarde l'application qui a alpha associé n alpha de x, eh bien, cette inégalité-là vous dit tout simplement que cette application est décroissante. Par ailleurs, elle est positive, puisqu'une norme, c'est dans R+, et donc, ça implique que n de alpha possède une limite en plus l'infini. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de déterminer cette limite. Et bon, c'est pas super violent. Et comment fait-on? Bien, on fait toujours cette même astuce. Hein. On écrit x. Alors, on va déjà considérer x étant le vecteur nul. Eh bien, la limite de la norme de alpha, ben ça vaut 0 puisque la norme est tout le temps nulle. Donc on va supposer maintenant que x est non nul. Et ce qu'on va faire, on va regarder norme de alpha de x, c'est valeur absolue de x puissance alpha jusqu'à OK, il y a au moins un des réels x1, xn qui est non nul. On va supposer que non seulement c'est xn, mais même chose, quitte à modifier l'ordre de sommation, hein, on va supposer que la valeur absolue de xn, c'est le max des valeurs absolues de xi. Alors pourquoi je fais ça? Eh bien parce que du coup je peux factoriser par xn machin, et donc à cause du 1 puissance alpha, bah, ça va me faire valeur absolue de xn, et il va me rester 1 plus u1 puissance alpha un moins 1 puissance alpha à la puissance 1 sur alpha avec ui qui est tout simplement xi sur xn. Bien. Et le point, eh bien, c'est que ui est ui est plus petit que 1 et est plus grand que 0. Oui. OK. Donc là, ben, il ne reste plus qu'à faire un passage de la limite, mes amis. On peut même conclure, enfin. Puisque ui est plus petit que 1, eh bien, vous voyez que ui puissance alpha est aussi plus petit que 1, certainement positif. Et donc, vous voyez que 1 plus U1 puissance alpha plus UN moins 1 puissance alpha, ça va être supérieur ou égal à 1, et ça va être plus petit que 1 plus 1 plus 1 plus 1 n fois. Oui.
Et donc, eh bien, ma quantité ici, hein, le 1 plus 1 puissance alpha, elle va être coincée entre 1 à la puissance 1 sur alpha, ça me fait 1, et n puissance 1 sur alpha, qui vaut donc exponentielle de le gain sur alpha. Ben oui, mais quand alpha tend vers l'infini, cette quantité-là tend vers 0. Donc le tout tend vers 1. Et le théorème des gendarmes vous dit que cette quantité tend vers 1. Et donc vous en déduisez que la limite de n de alpha de x. Mais j'ai plus d'encre, on va finir sans encre. Eh bien c'est xn. Mais xn, c'est le max des valeurs absolues de xi. Et ça, je vous rappelle que c'est quelque chose qu'on note norme infinie de x. Voilà, la suite des normes de... Donc je vous renvoie à votre cours de topologie, hein, c'est une norme aussi. Comme je n'ai plus d'encre, je ne peux faire que parler. Comme vous savez que j'ai horreur de parler, ça va être très difficile pour moi. On retient donc la suite... La famille des normes n de alpha est décroissante, et que sa limite en l'infini est encore une norme, et qui est la norme infinie. Voilà, j'espère que cet exercice vous aura plu, et dans l'attente de vos nouvelles, je vous prie, madame, monsieur, d'agréer l'expression de mes sentiments distingués. Bravo, vive la science !